Interfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquillou. Donc, on va faire ce quintet pour ce soir. Ça sera un quintet qui va commencer à 20h, un peu plus de 20h. Hein. Ça sera à Deauville, distance 1200 mètres. Attention, hein, privilégiez les petits numéros de corde. Terrain annoncé encore pénible. Hein, donc, privilégiez aussi les chevaux qui adorent ce parcours-là. Quintet assez difficile. Hein, voilà. Donc c'est les 3 ans, femelle, mâle, hongre, tout mélangé. Je pense qu'il va y avoir des grosses surprises. Donc voilà. Donc attention, le 10 est déclaré non partant. Ce qu'il ne faut que plus que 15 partants, les amis. Nous allons regarder maintenant, comme d'habitude, ben, mon petit tableau. C'est parti. Alors le tableau, ce qui nous dit, ben, les 6 étoiles, il y a l'as, il y a ce 9. Le 11 et le 15. 5 étoiles, le 6 et le 7. Et derrière, 4 étoiles, 2, 3, 5, 12. Donc, par rapport au tableau, les bonnes bases du quintet, ce serait le 1, 9, 11, 15. Voilà, les amis, pour ce tableau. Et on va commencer ben, mon pronostic. Donc, je vais essayer de faire un petit pronostic avec des petites surprises déjà en base. Donc, mes deux bases, je vais commencer par ce 15. Fête Filiman. Voilà, bon petit numéro de corde. Entourage un peu chaud. Va adorer ce parcours. Moi, je pense qu'il peut très bien faire d'entrée. Après, je vais mettre ce 11, Red 50. Ben Red 50, il faut faire attention. Lui aussi, il peut créer une bonne petite surprise à belle cote. L'entraîneur, il compte beaucoup. Faites attention. 15 et 11. Voilà. Bon petit deux outsiders, j'ai mis en base d'entrée. Après, mes 4 outsiders derrière, ben, je vais mettre ce 9, le favori, hein, l'ange de minuit, qui a très bien couru pour sa course de rentrée. Maxime Guyon dessus. Le seul souci, c'est ce numéro 16. Voilà, il faudra qu'il tire son épingle du jeu. Ça va pas être facile, mais bon, vu la dernière course qu'il a fait, la qualité du cheval, il doit être dans le quintet. Après, je vais mettre cet as, Goldstip, qui avait très bien couru dernièrement. Entraînement en forme, attention. Après, je vais mettre ce 7, Marly, Perchal Boudot dessus. Ben, quand il y a Perchal Boudot, il faut mettre dans un quintet. Je vais mettre ce 5, Le Solaire, avec le magicien Stéphane Pasquier. Toujours là, ben, à très belle cote, avait gagné. Mais avec ce cheval à belle cote dernièrement, Le Solaire, spécialiste un peu des parcours de vitesse, un bon numéro de corde, il peut jouer un très bon rôle aussi. Mon regret, ça sera ce 6, Gessely. Faites attention à ce 6, ça peut créer une belle petite surprise à belle cote. Cheval qu'adore les 1200 mètres et ligne droite. Voilà. Donc c'est fini pour mon pronostic, les amis. Donc un pronostic, on vous a dit. Avec un peu des outsiders parce que c'est un quintet, je pense, assez difficile. Privilégier les spots, hein, je vous le dis. Voilà. Alors, mon choco d'hier, ben, j'ai pas compris sa crousse. Hein. Voilà, c'était Gali sur le. Gloria, pardon. Gloria Gali à Vincennes, hein, ce 11, qui fait 5e. Moi, je sais pas. Court devant. Il voit qu'il est en deuxième ligne tête et corde. Il préfère se ranger derrière. Après, il a enfermé. J'ai pas compris la drive de Pierrot là. Ma foi. Qui fait cinquième. Voilà. Parce qu'après, bien sûr que tu peux pas grappiller des places quand devant tu as un mur. Voilà. Donc, Gloire Gali, la prochaine fois, tu nous dois des sous. Donc, t'inquiète pas. Hein. Comme j'ai dit, je reprends mes chocos pour la prochaine fois. Donc ça nous fait du 16 sur 8. On retombe sur notre moyenne. Voilà. Pour aujourd'hui, ça sera à la Réunion 2 à Divonne-les-Bains. Course 9. J'adore ce cheval. Ce 6, Défie Lidoie. Donc Défie Lidoie adore ce hippodrome de Divonne-les-Bains. Et je crois qu'il n'a pas fait plus loin que 3e. Je ne dis pas de bêtises. Il a couru 4-5 fois déjà. Donc c'est un cheval qui sait très bien faire un parcours autostar comme les longs parcours. Hein. Et j'ai très bien aimé aussi sa très belle cinquième place à Vincennes. Je crois que c'était en février. Sur un parcours de 2100 mètres autostar avec Eric Raffin, cinquième. D'un bon petit lot hein, de Vincennes hein, qu'on connaît bien. Donc si il nous fait la même perf, pour moi, il ne doit pas sortir de Détroit. Et même voir peut-être viser une gagne à belle petite cote, peut-être aux alentours du 10 contre 1. Faites attention à ce 6. Défie du doigt, les amis. Voilà, moi c'est fini. Pour aujourd'hui, je vous dis quand même bon pronostic et bonne chance pour ce soir. Il va en falloir pour ce quintet. Et comme d'habitude, adieu!